Salut à toutes et à tous, c'est Youni en compagnie de Vodkado, toujours et encore, qui finit sa tour de Babel. C'est comme ça. Exact. Exactement. Rien qu'à l'avancée de la tour, vous savez que cette vidéo est tournée très, mais énormément longtemps après la précédente, qui, je vous rappelle, va sortir dans... Non. Quand vous allez voir cette vidéo, la précédente sera sortie il y a une semaine, voire deux, ça dépend. Ou voire un mois. Ou un an, je ne sais pas. Non. Je cherche un nouveau rythme d'ailleurs. Vous préférez quoi? Une vidéo par semaine? Une vidéo par jour? Une vidéo tous les 3 jours? Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous préférez. Moi, je suis disponible tous les jours pour les vidéos. D'ailleurs, je pense commencer un let's play sur certains... Non, je vais commencer des let's play sur certains jeux. Vous me direz ce que vous en pensez de cette petite idée. Au début, je vous avoue que je n'osais pas trop parce que j'étais pas à l'aise avec le micro. Là, je ne le suis pas plus, mais on va se forcer. D'ailleurs, je crois que je vais arrêter l'enregistrement pour recommencer, mais avec Audacity. Ok? Mais le problème, c'est que je ne sais pas si je peux enregistrer ta voix via Audacity. Non, je crois pas. Enfin, pas les deux simultanément, en tout cas. Ça, c'est sûr. Donc, je pense que je vais déjà... Écoutez, en pleine vidéo, oui, parce que moi, je suis comme ça, pas de prise de tête, j'écoute mes vidéos pendant que je tourne une vidéo. Je suis le premier youtubeur à faire ça. Un nouveau concept sur YouTube. Salut tout le monde, petite vidéo, what the fuck. Sans rien préparer. Ok, it's perfect. On m'entend parfaitement et toi, on t'entend pas, c'est exactement ce que je voulais. D'accord. Oui, donc là, pour ceux qui se demandent quelle vidéo vient-il de regarder, c'est la vidéo que vous avez vue il y a une semaine. Si mes calculs sont bons. Je ne suis pas très logique, je sais. Donc, ah, non. J'ai promis de ne pas faire une vidéo what the fuck, mais ça va être très dur parce qu'il n'y a absolument rien à dire sur cette tour. Merci. À part que pour le moment, bah, elle est ronde et orange et orange. Et orange. C'est beau l'orange. Donc maintenant, je vais vous faire réellement une visite de ce petit serveur. What the fuck? On construit tout et n'importe quoi. Ce serveur va devenir public un jour. Peut-être. Et voilà. Donc le jump, vous l'avez déjà vu. C'est la première chose que j'ai fait dans l'autre vidéo, si je me souviens bien. Ça remonte quand même à 1 heure à peu près. C'est très dur pour moi. C'est 1 heure, c'est déjà énorme. Hein. Je ne suis pas un poisson rouge. Donc, le jump. Non, on l'a déjà vu ça. Je crois. La piscine, une piscine que moi-même je découvre en même temps que vous, les amis. Je ne l'ai jamais vue, cette piscine. Normal, elle n'est pas faite encore. Elle est spéciale. Toujours des bugs de chunk énormes. N'allez pas vous demander pourquoi, c'est tout simplement parce que c'est un serveur hébergé via Hamachi sur un PC qui ne vaut rien du tout. C'est dit. Donc, je trouve que cette maison que j'ai construite moi-même, donc soyez gentils, elle est très belle. Hein. Ouais, très belle, magnifique. Donc cette maison que j'ai construite moi-même ressemble à un vaisseau dans Star Wars. Après, c'est mon avis. En face de la maison Star Wars, c'est des maisons. C'est quoi? Des maisons. Une maison. La... Vide. Des gens qui sont venus. À droite de la maison vide, c'est encore une maison. Avec, je n'ai jamais compris ce qu'était ce truc bleu dans la vitre. Où ça? Attends, j'arrive. J'en vois sur tous les serveurs, ça fait une ligne blanche immense vers le ciel. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, les bacon. Des bacon, c'est un truc qu'on mange, le bacon. Non, non, mais ça s'écrit comme ça, en tout cas, je sais pas comment on le prononce. Mais en fait, ça sert à attribuer des pouvoirs spéciaux. Car si tu fais clic droit, tu peux le voir. Ouais. Un lapin mais... Non. C'est... Donc, il y a le speed, les résistances, la force, les boosters de jump. Ouais, mais comment ça fonctionne? Comment, là? En fait... Allez, viens dehors, je vais t'expliquer. Ouais. Le petit tuto en direct. En fait, il faut faire une pyramide. Ouais.
avec un métal au pif, enfin un métal précieux. Au pire, tu prends le plus cher, dans le doute, hein. Voilà, tout à fait. Donc tu fais donc il y a plusieurs sortes de pyramides, et plus ta pyramide est grande, plus en fait tu peux avoir des pouvoirs bah, bien quoi. Ok, je vais en Normalement. faire une géante. Voilà. Non, 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 t'es limité en fait. Et après, ensuite, regarde, fais clic droit sur le truc que j'ai posé. Ouais. Normalement, tu dois donner une pierre précieuse. Donc, attends, je cherche où sont les diamants. Les diamants, c'est dans Ah ouais, c'est bon. Matériel. divers. Non, Non, dans fait. matériel. Le petit stick. Ouais. En fait, par exemple, si je donne un diamant, et ben après, je peux choisir. Enfin, bah essaye. Mets un diamant, tu verras. En fait, tu peux choisir. Donc, vu que là, c'est une pyramide de deux tailles, tu vois. Et ben, t'as le choix. Ça marche pas. Mais si. Attends. Si je mets le diamant. Je Genre, saute si plus je. haut là. Hop. Mais non, mais voilà. Tu regardes. Ouais, là, on a Jump Boost. Oui, bah oui, les tesseaux, ils sont un peu comme dans l'espace. Tu sautes plus loin. Oui, c'est très 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 peu visible. Donc on va voir la vitesse. Moi, je le sens bien quand même. Là, on voit la vitesse. Mais faut rester près du truc, hein. Enfin. Mais va dans ton inventaire, tu verras. Et à speed. Ah ouais, vitesse, 6 secondes encore. C'est complètement pourri, ça sert à quoi? Bah, rien. Mais ça peut faire beau. On dirait une ligne. Bravo. Donc on va pas se mentir, hein, je vais vous le dire tout de suite, cette vidéo va durer beaucoup moins longtemps que la précédente de la semaine dernière. Je crois. J'y vais à quelques secondes en fait. Pour nous. Bref. Bon, je continue ma tour. Après Tabba. cette petite lèche. Babil. Babel. Badel. Babel. 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 Donc pour ceux qui connaissent pas la tour Babel, vous n'êtes pas seul, je ne la connais pas non plus. A priori, c'est un truc biblique. Ouais. Je me suis informé sur Google Images, oui, parce que je suis la seule personne qui s'informe sur Google Images. Voilà. En fait, j'ai appris ça en cours de français en cinquième. On n'a rien. C'est pas. Je vais tout de suite mettre les choses au clair. Là, vous voyez une église. Normal. C'est pas parce qu'il y a une église qu'on est raciste ou quoi que ce soit. Hein? Non, mais parce qu'on sait jamais. D'ailleurs, on va faire une mosquée à côté. Non, mais c'est pas parce qu'il y a une église là que voilà, c'est pas un serveur only chrétien ou catholique ou ce que tu veux, c'est une église quoi, on n'avait rien d'autre à faire. D'ailleurs, je vais vous le dire, hein, aucun de ce serveur n'est croyant. Pour l'instant. C'est tout pour le moment. Bon, parlons de Secret Story. Qui regarde cette daube? J'ai regardé la première saison, j'avoue. Moi, j'ai jamais compris. C'est des gens qui ont des secrets, qui sont cons comme un pénis. Et non, non, je déconne. Il y en a qui aiment bien Secret Story. C'est comme moi, j'aime bien les hentai. C'est une passion comme une autre. Exact. Exerte. Exact. Qu'est-ce qu'il avait, moi, exact? T'as dit exerte. Exact. Je crois qu'on m'entend pas très bien. Est-ce qu'on m'entend là? Répondez-moi dans les commentaires. Est-ce Merde, qu'on j'en sais rien. m'entend? Mais oui. Enfin, moi, je m'entends très très bien. J'aurais tellement envie de faire un live si quelqu'un sait comment on les fait. Franchement. Mais wow. Il a une punaise de dédicace dans la vidéo du live, tout ça. Le mec, je fais de la pub pour lui partout, quoi. Donc,
Cette tour Babel qui prend de la hauteur. Donc, on a regardé jusqu'où elle devrait arriver à peu près. Je vais vous montrer, c'est assez space. Vous l'avez vu dans la vidéo précédente, je suis complètement abruti. D'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente, je suis mort. Et par la magie de Minecraft, je suis de nouveau là. On va faire un flashback sans flashback, ok? D'accord. Alors, t'es prêt? Tu viens me taper et moi je crie ah, au revoir, vas-y. D'accord. c'est bon, j'ai fait sans toi. Je te tape au vol. Oh merde! Ah si, je t'ai eu! Je crois. Je suis pas sûr. Non, mais t'es, c'est un créatif. Ouais. C'est tout de suite mon marron. Regardez, si vous venez sur le serveur et que vous aimez mes vidéos, je vous donne ça. Qu'est-ce que c'est? Un diamant. Deux diamants. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bon, alors, pour ceux qui aimeraient faire une quelconque vidéo avec moi, oui, moi, bah, demandez-moi. Je. J'attends quelque chose de... De préférence, des jeux punaises, je vais. Ce PC va apprendre à voler plus tôt que l'autre. Non, honnêtement, je n'aurais même pas la force de jeter mon PC. Parce que je l'ai eu en novembre. Le. Non, je l'ai eu le 22 décembre, je me souviens. Le 22 décembre. Je l'ai eu et j'en suis très 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 fier. Je suis aussi très 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 attaché. En même temps, quand je vois ce qui m'a coûté, j'ai de quoi être attaché. Pour ceux qui voudraient une idée du prix, c'est plus que 1 euro. Avec 3 zéros derrière. C'est très. C'est un PC type gamer, comme on dit. Qui tient la route? Il tient tous les jeux jusqu'à présent en ultra, sauf peut-être les derniers où j'aurais peut-être un peu de mal. D'après un site que je recommande à tout le monde, oui, je refais de la pub, Can You Run It, je tiendrai aussi Crysis 3 en. Merde, comment dire? Il y a minimum recommandé, voilà, mais je tiendrai pas en optimal, ce qui est. J'en doute, parce que si une Xbox. Ou une play tient ce jeu en faible, je devrais parce que oui, je vais arrêter. Enfin, j'ai rien contre ceux qui jouent sur console, hein. Absolument que dalle. C'est juste que je vais peut-être vous dégoûter, mais aucun de vos jeux récents ne tourne en performance élevée. Aucun, pas sur console. Suffit de regarder des ralentis ou des slow motion de Call of Duty ou Battlefield 3, vous verrez que la console a bien, bien, bien du mal à suivre. Mais énormément de mal. C'est d'ailleurs pour ça que ma Xbox que j'ai achetée il y a un an et demi. Parce que, non, je l'ai eu à sa sortie, la vraie Xbox, la Xbox blanche, là, qui avait le défaut de Ring of Death ou je sais plus quoi, là. Je l'ai eu le jour, non, une semaine après sa sortie, environ. J'en étais très fier. Un mois plus tard, elle fonctionne plus. Et comme on était complètement con, quand on était jeune, moi et mon frère, on n'a pas appelé le service technique pour faire marcher la garantie. On s'est fait. Oui, vous avez deviné, on s'est fait. Et ça a fait bien mal. Donc, il y a récemment, on a dit, bon, on en a marre. On peut plus jouer à des jeux parce que mon PC est très récent, mon frère aussi a eu un PC récemment. Bref, on pouvait plus jouer à des jeux, on a fait, on va racheter une Xbox. Donc on a acheté une Xbox, la toute dernière, la noire, la noire, la slim, je sais pas quoi là. Ouais. Et on l'a utilisée pendant une semaine. Maintenant elle est sous un tas de poussière, mon frère l'allume de temps en temps pour jouer à Skyrim. Avec l'accent, parce que je parle très très bien anglais. Ich liebe dich, ah non, merde, de l'allemand.
Bon. Elle est poussiéreuse, très très poussiéreuse. C'est mon PC, c'est tous les matins, je passe un coup de chiffon, je fais attention, j'y tiens vraiment. La Xbox, c'est tous les ans, peut-être je la regarde. Parce que. Bon. J'aime pas. Déjà bien. Ouais, bah oui. Au moins je sais qu'elle est là. C'est comme la grande télé qu'on s'est ruiné pour l'acheter. On l'a acheté méga cher et on l'utilise presque pas. On n'a plus les chaînes télé parce qu'on a arraché le câble. N'allez pas me demander pourquoi. Et il me gênait. Parce que si vous voulez, le câble de la télé passe à mes pieds. Oui, je sais, on s'en fout de ma vie, mais moi je vous emmerde, donc je raconte. Le câble de la télé passe à mes pieds et moi j'ai pas assez de place à mes pieds, donc des fois j'arrache un peu tout. Et là, bizarrement, malchance, c'était le câble de la télé et il a pris cher. Donc voilà, on n'a plus de chaîne. Elle est allumée que peut-être 2 heures par jour, même pas, le temps que mon frère joue à Skyrim. Parce que moi, je vais pas me vanter, mais je joue à Skyrim sur PC. Hein. Non, je rigole, j'y joue même pas. Même si je l'ai. Voilà. 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 Il est 4h16. C'est magnifique. Ta tour Babel. Ah, t'as décidé de décaler plus, non? Ah non. Non. Elle est méga immense en fait, hein. Ouais. Bon, alors en fin de compte, comme vous l'avez tous vu, c'est encore une vidéo what the fuck. Décidément, je ne suis bon qu'à ça. Moi, je suis crevée, je vais mourir. Donc, je vais vous dévoiler en avant-première pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Je vais vous dévoiler les jeux sur lesquels je vais faire un let's play. Si, si. Alors, attention, tenez-vous bien, tenez-vous bien, tenez-vous bien. Il y aura. Je pense prochainement une, comme dirait Hooper ou je ne sais qui a inventé ce mot, une épopée de Portal, premier du nom, et Portal 2, c'est-à-dire les deux jeux d'un coup, finir les deux jeux d'une traite sans pause. J'ai compté à peu près combien de temps ça met environ 6 heures de jeu quand on joue normal sans connaître tout par cœur. Et c'est très très long, j'ai mis presque 3 heures à finir le 2. Le 1, c'est bon. Le portal premier du nom, je le finis en 30 minutes, 25 minutes, 30 minutes. J'ai tellement joué que je connais par cœur, forcément. Il est simple comme tout, faut se le dire. Donc bon, voilà. Je pense bientôt faire une épopée de Portal et Portal 2. Je vais faire un let's play sur un jeu que je ne suis pas fan, mais qui mérite de le faire. C'est Skyrim. C'est. J'ai un petit bug de synchro, je crois. Donc on va voir comment ça va se passer. J'ai... Bah ouais, Skyrim alors. Il y aura un autre let's play sur un jeu que je suis fan depuis environ 3 jours, qui est Borderlands 2. Je pensais que ce jeu était nul. Parce que je me suis dit, ouais, graphiquement il est moche, tatati, tatata, c'est manga, c'est animé. Et finalement, il est magnifique. Oh, la musique de Minecraft, écoutez. Faut pas chialer, ils sont vraiment belles les musiques de Minecraft. Je suis d'accord. Même si comme 90% des jeux et des joueurs, tout le monde coupe les musiques. C'est clair que quand tu l'entends 5 fois par jour, ça commence à te péter les bonbons. Pourquoi D'ailleurs, t'es tout seul? je vais me lancer un petit défi pour une prochaine vidéo, c'est essayer de faire une vidéo d'environ 1 heure sans dire un seul gros mot, ou une seule insulte, genre pas de merde, pas de putain, pas de crotte, même pas crotte, que dalle. Donc ça va être très très chaud. Je pense que vodka sera là. Vodka d'eau, parce que vodka, si je dis juste vodka, tout le monde va croire que c'est vodka prod, qui lui, non, me parle même pas, il m'ignore. Enfin, il m'a pas. Non, faut pas dire. J'ai envoyé un MP à tous les youtubeurs que j'ai cités dans ma précédente vidéo pour une question, une simple question. Et sur tous les youtubeurs, il n'y a que Bullpish et Vodka qui m'ont répondu. Donc, dédicace à eux deux. Deux grandes dédicaces à eux deux. Les autres m'ont même pas répondu. JBX9, tout ça, ils m'ont même pas regardé. Que dalle. Donc,
Voilà, je vais rien dire de plus, sinon je vais devenir méchant. Je n'ai rien contre eux, hein, je le répète. Donc, j'ai dit quoi? J'en ai dit où? Les let's play, je crois. Je sais pas quel jeu j'ai. Je vais faire un let's play sur Minecraft. Non, non, non. Minecraft, c'est chiant, il y a trop de let's play. Je vais faire un let's play Skyrim, Borderlands 2, Portal. Enfin, l'épopée de Portal. J'ai quoi comme jeu? Faire un let's play sur Just Cause 2. Sur. Je sais pas, je vais tout de suite voir ce que j'ai comme jeu, oui. Encore une fois, je vous laisse avec ce magnifique menu de pause, qui je trouvais très beau. Non, je rigole. Il n'est pas très travaillé. J'ai quoi comme jeu? Alors, j'ai. Ah! Bien sûr, il y aura un let's play sur Assassin's Creed 3, sur Dead Space 3, sur Far Cry 3. Il y a beaucoup de 3. Sur. Bah, Portal, j'ai dit. Sur Saints Row The Third. Third, je sais pas comment on dit, il y aura aussi un let's play, il y aura un let's play sur Skyrim et un let's play sur Trine. Donc voilà, un beau petit programme, je ne sais. Merci. Ça valait vraiment le coup. Tu es au courant que la vidéo va être classée interdite aux moins de 18 ans à cause de ça? C'est bon. Et voilà. C'est. Même quand on est presque tout, ça reste porno, quoi, sérieusement. C'était un Mister Freeze avec une cerise au bout. Oui. N'allez pas croire des choses obscènes. Donc, j'espère que je me souviendrai de tous les let's play que j'ai à faire. L'épopée, ça fait un bon bout de temps que j'y travaille. Non, pas que j'y travaille, mais que j'y pense. Donc, je ne vais pas l'oublier. Les let's play, bon, ça risque pas de s'oublier. De toute façon, les jeux, je ne les désinstalle pas. Parce que j'ai pas envie, tout simplement. Donc, voilà. C'est des let's play qui vont être plutôt longs. Parce que j'ai pu constater que Borderlands était assez long. Skyrim, n'en parlons même pas. Il est extrêmement long. Et les autres, j'ai pas vraiment testé. Far Cry, il n'a pas l'air très long. Parce que j'ai un ami qui l'a fini très très rapidement. Il m'a spoil la fin, ce méchant. Donc, ben, oui, je connais déjà la fin alors que je n'y ai même pas joué. Ni vu de vidéo d'ailleurs. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que je ne regarde jamais de vidéo avant de faire un let's play. Je ne cherche pas les solutions. C'est bien. Sinon, ce que je pense faire, le soleil se lève, c'est magnifique. Je vais vous laisser juste 2 minutes sans parler pour admirer cette vue. Le soleil qui se lève derrière cette magnifique tour au loin. Enlevons l'interface. Appuyons sur F8 et admirons cette magnifique vue. C'est tout pour aujourd'hui, c'est bon, ça saoule. Alors, le soleil, on le voit tous les jours. C'est chiant. La lune. Bon. Ah oui, je pense aussi, si tout fonctionne, si tout va comme je veux, faire des maps aventures sur Minecraft. Soit en compagnie de. Il est où? Vodkado Je suis là. 59. Pastek Man, on va l'appeler. À partir de maintenant, on l'appellera Pastek parce que votre cadeau c'est un peu chiant, c'est son pseudo Skype et ça me saoule. Je l'ai pas dit, je l'ai pas dit. C'est pas grave. toute façon, tu risques quoi d'avoir peut-être 50 demandes de contact, à tout casser. C'est pas énorme, tu les refuses et voilà. Voilà, je vais faire peut-être quelques maps aventures avec Pastek Man et j'ai déjà en projet de faire des maps aventures avec Kazooie, Thierry, ou ça dépend comment vous l'appelez. La personne qui est le plus souvent avec moi dans la vidéo, dans les vidéos, désolé. Et voilà. Nous pouvons voir que cette magnifique tour Babel, ou je sais plus comment on dit, j'ai vraiment du mal à retenir cette tour, comment ça s'appelle? Tour de Babel. Babel. Bah, elle avance. Hein. Je pense que quand elle sera finie, quand le dernier cube sera posé, je ferai une vidéo. Je crois que je suis en train de réveiller un peu tout le monde chez moi. Mais bon, fuck that, on continue. Je pense que dans 10 minutes à tout casser, je vais arrêter cette vidéo. C'est pas que je vous aime pas, c'est que j'ai mal au bras. J'ai vraiment mal au bras. Bon.
Qu'est-ce que tu fais? Bah, hein. Je fais une petite pause, j'arrête un peu de construire. Tiens, voilà, pour conclure cette vidéo, fais-nous visiter. Bah non, vu que mon Minecraft a frisé en direct. C'est un magnifique fail. Ce petit pas Ah, c'est bon. Techman vient de revenir à la vie, c'est à péter le fail. Décidément, même un fail, il arrive à le fail. C'est magnifique. La vois-tu? Bon, fais-nous visiter. On va commencer par l'endroit le plus à l'extrême. Gauche, nord, l'est, c'est à gauche ou à droite? Je sais plus. Attends, les pays de l'est, c'est à droite. Les pays de l'est, c'est la Russie, je crois. Donc, l'est, c'est à droite. C'est magnifique. Donc, J'aurais dit le contraire. ta gueule. Ah non, 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 t'as raison, t'as raison. Non, t'as raison. Bon, bah commençons par l'hôpital. Ce magnifique hôpital qui n'a encore pas d'intérieur. Je devais pas le dire, on va juste se promener dans le hall qui est déjà très. Qui ressemble, je vous l'accorde, plus à une morgue qu'à un hôpital. J'ai jamais vu un hôpital avec du noir. Mais bon. Ce n'est pas grave. C'est les hôpitaux de Minecraft, quoi. Les hôpitaux, je ne sais même plus parler. Merci Réberry. Je t'invite à venir dans les toilettes. Non. C'est des avances. Bon. Oui. Vous ne rêvez pas, Stackman passe à travers les murs. C'est magnifique. Donc, vas-y, fais-nous visiter. Ensuite, nous T'es où? avons T'es où? la mairie. T'es où? Ah là. Là, voilà. La mairie. La mairie, qui ressemble pas vraiment à une mairie. Qui a été réalisé par quelqu'un. Qu'est-ce que tu fous sous la terre? Bon, alors on va visiter moi, la mairie en face. C'est une maison à vendre d'une taille de. Il a enlevé la taille, je crois que c'est 11 fois 10. Ouais. C'est ça. Ensuite, juste à côté de la maison à vendre, c'est une autre maison réalisée par le grand, le puissant et le tout beau Yuni. Pastekman, qui est aussi à vendre. N'allez pas me demander les dimensions, j'en ai. Aucune idée et j'ai la flemme de compter. Elle est même pas carrée, c'est impossible. Rectangle, plutôt. Alors voilà. Il y a ici un endroit pour se ranger. Je sais pas. C'est une armoire. Une armoire. Le premier étage qui est magnifique avec une magnifique vue sur l'hôpital. Quoi de plus romantique? Et sur la tour Babel. Et Voilà. c'est tout. Un balcon supérieur, on ne pourra jamais monter si on n'est pas en créatif, c'est très utile. S'il pleut, on n'est pas dans la merde. Cette maison a tout pour plaire. Bon. Depuis quand tu fermes la porte au nez des invités, toi? Alors, là, t'as pété la vitre. Non. Là, je vous l'ai déjà montré, je crois, dans la précédente vidéo, c'est une église. Comme bah, une église, quoi. Allez, t'es où? T'es où? T'es où? T'es où? T'es où? T'es où? T'es là. Vas-y, continue. Des Ensuite, arbres, des arbres, hein, tout le monde les connaît. arbres. Passons dans le cul d'un creeper. Non, on passe dans son entrejambe. Exact. Je ne regarde pas en l'air, je ne regarde pas en l'air, je ne regarde pas, c'est bon, c'est bon. Alors, je ne dirai rien de plus, je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, je ferai juste un petit dessin, je pense, pour vous montrer. Vous allez, vous l'avez peut-être sûrement remarqué déjà, mais voilà, je ne montre rien avec ma souris. Hein. Depuis quand un creeper a des fenêtres? C'est des dents. Ouais, c'est rien du tout. Hop. Regarde, il a un Voilà. bouton. Bon. Non.
Continuons. Ici, nous avons une magnifique maison. C'est une maison, ça? En fait, je sais pas ce que c'est. Mais on va dire que c'est une maison. Ouais. Une construction réalisée par, je pense, Monsieur Kraft, que vous avez certainement pu apercevoir dans la première vidéo. Oh. Désolé, c'est un chien. Il y a un chat qui aboie derrière toi. Non, ce blague, on n'avait pas remarqué que c'était un chien, tu vois. On avait un doute. Monsieur vient de muter son micro. J'avoue que c'est très passionnant. Je suis légèrement perturbé plutôt de parler dans le vide comme ça, c'est... Voilà, ça fait un peu peur. Je me sens un peu seul au monde, comme Will Smith dans... Désolé. J'ai oublié le nom. Comment il s'appelle? Le film avec Will Smith, là où il est tout seul, il y a des zombies partout, il a juste un chien avec lui. Seul au monde? Non. Et mince, et mince, et mince, ouais, et mince. Inception, un truc du genre. Non, ça c'est avec... avec le mec du Titanic, j'ai oublié son nom, punaise, je suis tellement inculte. Ça se dit ça? Inculte? Ouais. Bon, il est actuellement 4h32, on finit la petite visite d'une structure magnifique avec une épée, la reine qui est là-bas je crois, là-bas. On voit au loin les épées de la reine là-bas, qui est une très 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 belle structure. Ici, un McDonald's réalisé entièrement par Pastekman. Oui, ça n'y ressemble pas, mais bon. C'est un McDonald's, j'avais fait un très beau jeu pour enfants, les jeux gonflables, vous savez, et ils l'ont détruit. Ici, un petit roller coaster, on va accélérer le rythme parce qu'il est très très tard, j'ai envie de me coucher. Voilà, et l'arène, elle est magnifique, qui ne charge pas, l'arène. Allez, charge. Charge. Allez. 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 Je vais, je pense, mettre une petite image subliminale de mon premier Let's Play. Ça sera une image du jeu en question, avec écrit Let's Play par Yuni, tatati, tatata. Vous verrez déjà, ça sera une image qui passera en 0,01 seconde. Bonne chance pour l'avoir. Mmh. Donc, et voilà, la magnifique arène, qui rend beaucoup mieux sans le toit, finalement. Tu vois... Tu vois le toit, toi? Ah oui. Oui. Moi, je ne voyais pas, il y avait quelques petits bugs de génération. Donc, voilà, l'arène chargée au complet. Comme vous pouvez le voir, c'est une arène très spacieuse qui donne envie de se combattre dedans avec une vue sur l'horizon magnifique que personne ne verra jamais et une vue sur le ciel pour voir s'il pleut. Je pense qu'on va mettre un stand de parapluie à la sortie. Donc voilà, nous avons fait le tour de cette petite map en construction qui est entièrement réalisée par Pastekman, Monsieur Kraft et moi-même. C'est une map sans vraiment de but. On fait des constructions, on essaie de faire une petite ville, je pense. Je ne suis pas sûr. Un magnifique portail vers le Nether qui ne fonctionne pas chez moi. Ah si. Pour une fois, il vient de fonctionner. Parfait. J'adore le bruit. Revenons. J'ai un peu peur, je vous avoue. Magnifique. Ça fonctionne, bleu. Bon, alors on va se quitter sur ce Nether plutôt enfer. Il est un peu... Magnifique, je viens d'être TP alors que j'étais même plus au portail. Bref, on se dit à plus et à bientôt pour le prochain Let's Play qui sera en image subliminale dans cette vidéo. Bonne chance pour le trouver. Allez, à plus. Au revoir.